Bonjour à tous, alors vidéo très très rapide sur les compétences de Senna qui vient de sortir à l'instant. Donc on peut analyser voilà diverses compétences qu'elle peut avoir qui vont arriver. On n'a pas évidemment les détails. On peut voir qu'elle a, je pense, un passif comme Thresh. Elle permet de ramasser les âmes, alors soit des champions, soit des sbires. Là, en exemple, on a surtout les sbires. Est-ce que justement ces âmes permettent, en dehors de donner de la puissance comme Thresh, de justement charger ses compétences? C'est peut-être une piste à avoir. Donc on peut voir également que son A, c'est un petit peu comme Lucian. Son Z, c'est un skill shot qui se relance après un court délai. On a une autre compétence également qui la fait passer en mode spectral, un petit peu comme Pyke. Il y a beaucoup de personnes qui ont comparé d'ailleurs ce personnage à Pyke. Mais est-ce qu'elle va plus vite? Est-ce qu'elle est invisible? Est-ce que la brume autour d'elle fait un effet bien spécial? Est-ce qu'elle peut justement rendre invisible d'autres personnages? Ça serait un peu broken, mais c'est la question. Et puis pour son R, hein, le gros débat actuellement sur les réseaux sociaux, un espèce de skill shot sur toute la line. Alors je pense que ça va pas plus loin que ce qu'on peut voir à l'écran. C'est pas comme une Lux où ça fait toute la line. Et je pense que il faut qu'elle arrive à stacker des bonus, des effets sur la personne pour que justement cette ultime soit vraiment un ultime qui serve et qui fasse beaucoup de dégâts. Pas d'autres hypothèses, alors n'hésitez pas à mettre voilà, les compétences que vous auriez pu voir dans les commentaires, histoire qu'on en parle un petit peu. Et puis je vous refais une vidéo dès que Riot lance les compétences officielles sur le site internet et que le personnage sort, ce qui devrait être soit ce soir, soit demain. Voilà, allez, à très vite.